Terminons ce journal en nous rendant à Bondoukou, où les populations ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Anissé Kouadio. Elles sont femmes des champs qui travaillent durement la terre, ou femmes des marchés occupant les commerces avec des revenus assez modestes. Certaines d'entre elles sont dans les différents bureaux traitant les dossiers administratifs, d'autres dans d'autres secteurs d'activité. Chacune d'entre elles joue un rôle prépondérant pour l'épanouissement et le bonheur de les différentes familles, mais également contribue au renforcement de l'économie nationale. Ces femmes dans ces différents secteurs d'activité à Bondoukou ont été honorées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Initiative du premier maire adjoint de la commune de Bondoukou, Bouraïma Ouattara. Les actions que nous menons chaque jour que Dieu fait, parce qu'avec la femme, il y a l'union. Avec la femme, il y a l'entraide. Avec la femme, nous sommes sûrs d'atteindre nos objectifs. Elles sont plus de 300 femmes à l'occasion de cette journée totalement honorées, qui ont reçu chacune un complet de pagne dédié à la célébration de l'événement. Pour leur porte-parole, ces dons ont une valeur inestimable qui leur apporte énormément de bonheur. Ce cadeau n'est pas un simple présent, mais un rappel de notre importance dans la société, mais surtout à vos yeux. Merci à vous d'accorder de l'importance à la femme. Kamagate Awa, responsable d'association féminine, de relever que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et il faut que ceci soit totalement respecté. Cette journée est l'occasion pour nous de revendiquer un avenir égalitaire, libre de préjugés, d'injustices, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et chances égales pour toutes et pour tous. Ces femmes des différents secteurs d'activité de Bondoukou sont issues des différents milieux, chrétiennes, musulmanes, animistes, fonctionnaires ou dans le secteur informel. Pour les organisateurs, c'est l'occasion de leur démontrer que leurs droits doivent être respectés et protégés de tous.